Pourquoi tu fais cette tête? On a fait ce qu'il fallait. J'ai utilisé copie double pour que je puisse prendre l'apparence de Loulou. Pour que ces candidats puissent perdre la tête. Et voilà. Ils vont tout faire pour faire éliminer Loulou. Enfin, quoique non. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que il a vu juste, petit fuck you. Si jamais je lui fais du mal à un Grosch-Trouf, je risque de recevoir des amendes. Finalement, emprisonner Grosch-Trouf n'était finalement pas une bonne idée. Quoi? Je vais annuler le plan de faire emprisonner Grosch-Trouf. Mais il faut que je trouve un moyen d'avoir les droits de Marumikar 2. Mais comment? Je t'avoue que c'est une bonne question. En tout cas, ce Franck-là, c'est lui l'idiot. Il croit sincèrement que je lui ai fait... que j'essaie de voler tous ses pouvoirs. Mais en fait, j'essaie de lui faire cacher. La vérité, c'est que je lui ai installé le puce pour que je puisse entendre toutes ses nouvelles. De toute façon, je l'ai déjà dit. Exactement. Il va le voir. Il va se rendre compte. De toute façon, c'est déjà trop tard. Apparemment, j'ai oublié de te le dire. J'ai pas de nouvelles, donc je pense que je vais faire une petite sieste, oh, une grosse sieste, pour dire. Ouais, fais donc. Pour aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'étendre la conversation entre la bande à Franklin et Grosch-Trouf, donc voilà, je dors. Je vais faire une sieste. Fais donc. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai une idée. Je voulais toujours faire ça enfant, j'y pense que maintenant. Vous me demandez où je voulais y aller, mon rêve va se réaliser. C'est le camp des défis extrêmes. Je me rapproche du firmament, je fais mes bagages, je suis déjà gagnant. Tout approuvé et rien pour m'arrêter, j'ai déjà gagné. C'est le camp des défis extrême. Na la na la na la na la na 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 na. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. I wanna be, I wanna be, I wanna be famous. Calme-toi, Simba. Comment veux-tu que je me calme, là? Par contre, je viens de voir quelque chose qui m'a vraiment déplu. C'est quand même le vis-à-vis du comportement de Grosch-Trouf. Ouais, là, pour le coup, c'est vrai que Grosch-Trouf s'est assez mal comporté, mais c'est quand même dingue, quand même, pourquoi il a pas réfléchi 2 minutes. À mon avis, si tu veux savoir tout, c'est qu'il était beaucoup trop énervé pour ça. Bah, en voyant s'énerver contre Loulou alors qu'elle disait qu'elle était pour rien, par contre, quand même, c'était étrange. Il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une vidéo de Dodgers et Loulou qui se parlent alors que Dodgers ne veut absolument aucune fille parce qu'il est sexiste? C'est quoi dans ce cas cette logique? Maintenant c'est bon, il aime les filles, c'est bon, il les aime, c'est ça le truc! Tu crois que c'est ça? Bah non! Là pour le coup, Grosch-Trouf, il a pas réfléchi. Ah non, il a pas du tout réfléchi, il a juste réfléchi bêtement, un peu de façon énervée. Et en plus de cela, il va pas avoir de bonus. Parce que t'as vu ce panthère rose, il lui a carrément mis une pénalité. Ah, coup dur pour lui, vraiment un gros coup dur. Lorsque Grosch-Trouf arrivera, je vais m'expliquer pour qu'il puisse au moins un peu à se calmer là. Et heureusement, si jamais il n'arrive pas à se calmer, je lui ai préparé un petit quelque chose. Des crottes de nez au fromage? Non! Oh, j'en ai marre. Ras-le-bol, ras-le-bol. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Grosch-Trouf, tiens. Qu'est-ce que tu fais donc ici? Enfin, je veux dire, t'as quelque chose à te reprocher? Vas-y, si t'as quelque chose à confesser, on t'écoute. Je viens de voir une vidéo entre Doc Dodgers et Loulou. Je savais pas que Loulou était une traîtresse. Une magicienne. Elle vient de briser le code honneur de tous les sorciers, d'essayer de jouer les hypocrites. Est-ce une langue de vipère, ça? Mon de Dieu! Et en plus, après, Bobby a été éliminé. Ça m'a foutu les glandes. Franchement, là, pour le coup, au camp, ne me dis pas que t'as passé de mauvaise journée. Je me trompe? Oui. Et donc, qu'est-ce que t'as fait à Chup et les autres? Ils m'ont énervé, voilà. Parce que...
Parce qu'il a rejoint quand même le camp de Loulou, alors que c'est une traîtresse. Est-ce que t'as réfléchi au moins à ce que tu racontes? Oui, et j'en suis parfaitement conscient. Grand, je trouve, là par contre ça te ressemble pas. Et t'as intérêt à te calmer. J'ai du mal à croire. Franchement, du mal à croire. Doc Dodger, c'est un gros salaud. Il ose en plus dire avec Loulou et... Et puis merde, moi j'en ai marre. Je comprends plus rien du tout. Ça me fait mal à la tête. D'ailleurs, quand je trouve aussi l'épreuve, quand même, il a quand même été sérieux, quand même. Tu veux pas cette épreuve face à un gorithmique? J'ai eu le temps, en tout cas, d'analyser un peu ce Pokémon. Mais par contre, ça m'a fait mal. Oh, j'en ai encore des mal de dos. Mais par contre, quand même, il a raison, parce que tu es tombé sur une épreuve un peu torture. Ben, pour le coup, c'est vrai. Mais je vais pas l'attaquer, parce que tout simplement, il a eu raison de tomber sur un mauvais truc. Ah... C'est vrai. Par ailleurs, vous savez si vous est passé où, Jake? Service, où est-ce qu'il est? Il est parti à la salle de bain, il est parti pleurer. Bah, tu sais, pour une chose. Quoi donc? Vaut mieux pas que tu le saches. Vaut mieux pas que tu le saches. Parce qu'on va pas te spoiler non plus. Fune, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'ils te font? Qu'est-ce qu'ils te font? Déjà, tu es parti! T'es parti de. T'es fait kidnapper, maintenant voilà le résultat, tu es devenu l'esme de nouveau assistant de Dodgers? Non, mon meilleur pote ne me ferait pas une chose pareille. Si seulement j'avais un plan de pouvoir le libérer, ce serait vraiment la chose la plus géniale que je pourrais faire. Et malheureusement, je peux rien faire. Je peux pas aller au camp parce que sinon, je me fais attaquer. Si je creuse un trou, je vais me faire attaquer. Si je vole par-dessus, je vais me faire attaquer. Si je vais faire un truc par magie, je vais me faire attaquer. Je vais jamais y arriver. Ah, j'ai vraiment pas le moral du tout en ce moment. Ah, en ce moment, grand, je trouve, est aussi très énervé. Je sais pas quoi faire. Je sens que je vais rester ici pour un bon moment et essayer de me calmer un peu. Maintenant, je sais plus quoi penser. Maintenant, je suis... J'ai quand même progressé loin dans l'aventure et... Je ne sais même plus quoi penser. Mon moral est très très bas. Grand, je trouve qu'il faudra vraiment que tu progresses. Progresse davantage. Je suis sûr que tu peux le faire. J'ai franchement pas la foi du tout, pour être honnête. Tu veux déjà abandonner? C'est ce que je pense. Les gars, je pense que cette fois-ci, je vais tenter de lui remonter le moral. Et heureusement, je sais quoi faire. Oh, je comprends, je vois ce que tu veux faire. Vas-y. Vas-y, Franklin! Grand Schtroumpf, écoute un peu ça. Quoi donc? Donnons-nous la main et marchons sur les chemins. Les papillons, les abeilles nous attendent au soleil. Allons, calme-toi, fais preuve de bonne foi, plonger dans des eaux irréelles, comme dans un rêve éternel. Tout ce qui t'est précieux, tu partages avec tous, et ce serait merveilleux. Que tu ne changes pas. Allez, admire ce spectacle qui t'inspire. Des papillons, des abeilles, car c'est une vraie merveille. Tout ce qui t'est précieux, tu partages avec tous. Et ce serait merveilleux que tu restes ami. Donnons-nous la main et marchons sur les chemins. Les papillons, les abeilles nous attendent au soleil. Et c'est une vraie merveille. Oh, toi, Franklin, tu sais vraiment remonter le moral à bloc. Oh, tu me sauves le cœur. Et tu me le réchauffes aussi, au passage. Oh, franchement, je suis vraiment désolé. Ce sera pas à moi, en tout cas, que tu devras t'excuser. Oh,
Je devrais m'excuser auprès de Chop, surtout auprès de Loulou. Oh, et à tous les autres. Comment je pourrais faire pour me pardonner? Ça va, grand Schtroumpf? Comment j'aurais pu me faire oublier de te pardonner? Déjà, j'essaie de penser à autre chose qu'à Mayona. Grand Schtroumpf! Ce sont des larmes de joie ou de tristesse? Je suis vraiment joyeux. Merci beaucoup. Oh, je me trouve vraiment sur la jeunesse. Vous êtes vraiment aimables. Vous tous. Je sais que c'est vous n'êtes pour rien. Mais j'ai vraiment fait une très très grosse erreur. Je suis sûr que Loulou n'y est pour rien du tout. Je suis sûr que c'est encore un montage pourri de Dodger cette fois-ci encore. On t'avait dit en plus de ne pas lui faire confiance. Tout ce qu'il fait, c'est vraiment des trucs catastrophiques. Mais comment ça se fait que Loulou a bien et bien parlé de sa propre bouche? Je me demande si c'est... Tu sais à quoi je pense? Quoi donc? En vrai, je pense que ça a dû être... Ouais. Cet assistant bizarre. Est-ce que Maître Rikiki aurait utilisé la capacité? Est-ce que ce serait Maître Kiki qui aurait dans ce cas parlé? Je suis sûr. Je crois bien qu'en fait on est face à un imposteur. Quoi? Un imposteur? À mon avis, c'est pas la véritable Loulou. À mon avis, je pense que ça doit être un des complices de Dodgers. Un complice? Je savais que j'aurais... Il fallait bien que je méfie. Et là, pour le coup, là, est-ce que tu penses comme moi? Ah, si je le pouvais le voir, je devrais couper dans les couilles. Mais par contre, si tu fais ça, je pense que tu vas avoir aussi des gros problèmes. Oh, j'en ai marre, j'ai tellement envie de le faire parce que il m'a... Oh, non, il faut vraiment que je puisse quand même respecter quand même les règles, mais ça dépend de certains, dans certains contextes. Maintenant, je voudrais bien faire un petit cadeau pour Loulou, enfin, pour tous les finalistes qui sont là, sauf pour Panthère Rose. Panthère Rose mérite rien du tout, il mérite juste un coupé dans les couilles. T'as pas le droit de donner des coupés dans les couilles à Panthère Rose. J'en ai marre. Oh. Le jour où c'est éliminé, je me demande si je peux lui en faire un. Ça dépendra bien sûr, c'est d'accord. Bah, tu verras bien. Je vais faire quelque chose que j'ai fait il y a très longtemps. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire des cookies à l'ancienne. Des cookies? Ouais, Grand Schtroumpf, il a été cuisinier il y a un très long moment, mais après il ne refait plus ça. Et ce serait une bonne occasion de tester mes compétences. Je vais directement à la cuisine. Dommage que Jack n'est pas là. Il a quand même les compétences de cuisine. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Une fois, il m'a fait une tarte aux crottes de nez, j'ai adoré. Ça c'est faux. Bonjour tout le monde. Alors, vous allez bien? Aujourd'hui, nous allons cuisiner avec Grand Schtroumpf. Aujourd'hui, j'ai préparé des cookies à la façon Grand Schtroumpf à l'ancienne. C'est-à-dire quand j'en ai fait il y a très longtemps. Ce sont mes cookies préférés que j'ai fait avec amour pendant très longtemps et que tout le village des Schtroumpfs ont toujours apprécié. Et j'en ai fait un peu à l'île des Héros, ils avaient quand même beaucoup aimé. Je me demande quand même comment ça va pour cette année-là. Pour cette année, lorsque nous avons du beurre, des œufs et mon petit ingrédient préféré, le Nutella. Vous allez voir, avec le Nutella dans les cookies, ça va être très très bon. Le sucre et la farine. J'aurais besoin de tout ça. Il est temps dans ce cas de préparer dans ce cas la cuisson. Nous allons besoin de mettre un peu de farine. Et dans ce cas, on va mettre le beurre avec. Et l'œuf. Ça va prendre un peu de temps. Vous allez voir. Later. Ah. Et voilà. Voici les cookies à la façon Grand Schtroumpf. Voyez comment c'est délicieux. Je suis vraiment content de moi. Maintenant, je vais l'emmener à l'île des Héros et voir ce qu'ils en pensent. Et voilà. Oh! Ah, oh, ça sent bon! Ah, salut Grand Schtroumpf! Oh, Jake, je t'entendais! Où est-ce que tu étais? Bah, j'étais parti me calmer, j'avais besoin franchement d'être seul. Je peux comprendre ça. D'ailleurs, regarde, j'ai fait des gâteaux! Oh, je sens ça, c'est délicieux! Ça sent bon le Nutella! Ah, oh, je pourrais en manger un petit peu? Bah, écoutez, je sais pas, mais il faut que j'en garde un peu quand même pour tous les autres! Ah, je peux comprendre. T'en fais pas, petit plouf, je t'en ferai d'autres. C'est moi que dans ce cas qui vais juger pour voir la qualité de ces cookies. Vas-y, Jake. Je suis sûr que tu vas apprécier. Alors, attends.
T'as utilisé du Nutella à la place? Oui, et j'ai mis beaucoup d'amour là-dessus. C'est des cookies à l'ancienne. Voyons voir, c'est comme si ça peut être meilleur que les cookies que j'ai fait il y a longtemps. Non, 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 non. Qu'en penses-tu, Jake? C'est le meilleur cookies que j'ai jamais mangé! Ah, oh, merci beaucoup! Jamais! Merci beaucoup, Jake! Oh, attends, j'essaie quand même! Waouh! Génial! Trop bien! Je goûte aussi, je me permets! Oh! Il faut en devenir! Il faut devenir fou amoureux de ça! Et attends, j'essaie aussi! Oh! Pas mal! Franchement, pas mal! T'as mis des croix du nez? Non! Et puis, je vais te le donner comme ça, parce que sinon, j'ai à faire des conneries! D'abord, laisse goûter à Simba! Approche-toi de tout le reste! Oh! Un cookie de rêve! Un vrai délice! Bon, je pense que j'ai assez de cookies pour en donner aux autres. Bon, je vais en prendre quelques-uns, moi, ça sera fait. Fais donc. Alors, un pour Loulou, un pour Chup, un pour Moustillon, un pour Red Yoshi. Je pense que j'ai fait le tour. J'en prends aussi un cinquième au passage, je sais pas. Peut-être que je les mangerai ou j'en sais rien. Bah écoute, fais-toi plaisir. Je pense que je vais faire du cinquième et peut-être, je verrai bien. Bah du coup, il reste quelques cookies, ça va. Bon, bonne chance, grand Schtroumpf. Merci beaucoup. J'irai m'excuser quand même auprès des autres, de m'excuser de mon comportement puéril. Je suis sûr qu'ils vont adorer ce gâteau. J'ai envie de te harceler quand je veux! Parce que t'es nul, t'es moche, et en plus t'es une fille! Laisse-moi tranquille! Je suis pas d'humeur à parler avec toi! Oh, mais tu sais quoi? Je me fous royalement si tu es triste ou pas! L'important c'est que je t'harcèle! Oh! Chop! Tu as osé me frapper! Je vais appeler les avocats! De toute façon, il va quand même pas oser, hein. Loulou, ça va? C'est un coup dur, c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que c'est Dr. Charles qui a voulu tout faire pour que ce soit toi le coupable. Je suis sûr! Et de toute façon, il est sexiste, vu que tu es le seul fille du groupe. C'est vrai. Franchement, si j'ai des preuves... Salut, Chop. Pourquoi tu veux parler avec cette peste? Il nous a tous trahis! Ça se voit pas? Hein, j'en ai marre, une pub merde! Je vais vous dire la vérité! Quoi? Hein? C'est Dr. Charles qui m'a forcé à ce que je vous conduise dans le bureau! En réalité, c'est Maître Rikiki qui a déguisé Loulou, parce qu'il a utilisé la capacité copie double! Quoi? Quoi est-ce que tu voulais en dire? Je croyais qu'il s'est utilisé sismique, mais je vois pas de copie double! C'est vrai! Mais c'est juste parce qu'il change de capacité à chaque fois! Maintenant que tu le dis, c'est vrai ça. La vérité c'est que c'est pas Loulou, c'est Maître Rikiki. Il a voulu prendre la forme de Loulou parce que c'est la seule fille du groupe. Et donc il a voulu tout faire pour faire éliminer Loulou. C'est vrai ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc tu crois sincèrement que... Ouais, exactement. Le coude du sirop hypnotisé dans le shampoing c'était Dr. Jers. Non, c'est Maître Rikiki. Maître Rikiki? C'est vrai ça, Loulou, elle a l'air très gentille. Je ne la vois même pas absente d'une seconde. Tu putain de merde, j'aurais dû réfléchir pendant que j'y pense. En tout cas... Alors ça voudrait dire que j'ai fait de la peine pour Loulou pour rien. Oh, désolé Loulou, je t'ai vraiment mal calculé. Hein? Tu me crois là? Oui, exactement. Quel abruti j'ai fait. C'est pas grave. Par contre, je pardonnerai jamais à Maître Rikiki ou bien à Dr. Jers. Salut les copains! Alors Riri, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu n'y crois pas aux conneries de Dr. Jers. De quoi tu...
parles pour Loulou? Ouais. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oh, ferme-la, j'essaie de faire une sieste dans une salle pas très délicate. Enfin, qu'importe. En tout cas, je suis bien content que ça vous ait rassuré, hein. J'espère que Grand Schtroumpf sera... J'espère que Grand Schtroumpf va vous croire, hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine, on a parlé avec la Botra Franklin. Grand Schtroumpf! Alors? Oh, écoutez, je suis vraiment désolé. À toi, Chop, Moustillon, et surtout à Loulou. Je suis vraiment désolé. J'ai été franchement stupide sur ce coup-là. J'étais mal jugé. Tout ça parce que j'ai vu une vidéo. Oh, c'est pas grave. Et tu veux savoir la meilleure? C'est Maître Rikiki qui était coupable. Il a voulu déguiser Loulou. Oh, j'aurais dû me douter. Oh, il m'a fait un coup bas. Encore. Alors... Oui. C'est pas seulement à toi que je pardonne, ainsi qu'à Moustillon et à Chap. Hé, attendez, pourquoi pas moi? Non, parce que je t'ai rien fait de mal. Oh oui, c'est vrai. Faudrait peut-être que j'en parle à Bobby, hein, si Isabelle je croise. Et moi alors? Je méritais pardon, hein? Non, toi t'es nul, t'es une merde. Et pour vous prouver mon pardon, c'est quoi? J'ai quelque chose pour vous. Des cookies. Oh, des cookies. Ah, tu as pensé à la dernière fois? Non, Moustillon, je t'en rappelle quand même que je... C'est juste pour prouver mon pardon envers tout le monde. Oh, je vais en goûter, moi. Oh. 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 Oh, c'est trop beau. Ah, non, 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 non. Hé, hey, doucement, Moustillon. Bon, j'en ai pris 5, mais ce sera juste pour Radio Shit, Chop et Loulou. Mais pas pour Pantero. J'aime pas les cookies. Ah bah, tant mieux, hein. Et donc, est-ce que je peux en prendre? Parce que Dr. Charles m'a maltraité depuis tout ce temps. Oh, bien sûr, tu mérites ces cookies. Oh, merci. Oh. Attends. Oh, mais il a raison, c'est trop bon ces cookies. Oh, un pour Redushi, un pour Chop et un pour Loulou. Oh, merci. Oh, c'est trop bon. Oh, oh, ce goût, c'est ça, un goût de paradis. Oh, je sais pas combien de Javel ou bien de champin tu l'as utilisé, c'est vraiment trop beau. Oh, je suis trop content. Faut pas non plus exagérer, hein. Oh, Grand Schtroumpf, tu mérites d'ouvrir un restaurant de cookies. Oh non, ça, je sais faire des cookies, mais c'est pas ça, ça m'intéresse pas vraiment. Hein. Selon moi, ce qui m'intéresse, c'est la magie, hein, et étudier les Pokémon. Et tu trouves que je suis un bon Pokémon? Oh bien sûr, parce que tu n'as pas la même personnalité que Pantero. Je t'emmerde. Oh, n'empêche que si tu fais ça pour le convention, pour l'épisode 30, oh, franchement, ce sera le meilleur convention de tous les temps. Oh, faut pas non plus exagérer. Mais j'ai pas dit non plus, mais il faudrait que j'y pense. Oh, tu mérites d'être dans les millions avec tout ça. Merci, mais faut pas non plus exagérer. Oh, c'est vraiment un goût de paradis. Oh, en tout cas, ça m'a... J'ai bien mangé. Oh. Ouais, c'est clair. C'était vraiment le meilleur cookie. À côté de tout ce que j'ai mangé. En tout cas, ça m'a remonté le moral. Merci beaucoup, Grand Schtroumpf. J'ai quelques trucs à faire. Oh, y a pas de problème, Riri. Mais tes cookies, tu fais tes cookies, tu t'es sûr pour te faire pardonner? Mais ça changera pas à moi, espèce de crétin sans cervelle. Je suis presque à parier que tu as utilisé la magie pour les faire hypnotiser, pour que tu sois en finale, crétin de vieux schnock. Désolé, j'entends pas les marmottes. Ah, oh, tu vas recevoir une gifle. Tu peux pas. Si tu donnes une gifle, tu risques d'avoir des amendes. Sauf si moi je les contredis avec mes avocats. Crétin. Tu dis ça, mais tu as dit ça à Chum, mais tu n'appelles même pas les avocats. Oh, la ferme, gros crotin. Bienvenue dans l'épisode 21. Et surtout, bienvenue dans le camp des 6 finalistes. Et surtout, bonne année à tout le monde. Même si vous ne méritez absolument pas. Enfin bref, qu'est-ce que ça vous est senti d'être dans les 6 finalistes?
Oh, franchement, je suis super contente. Moi, je sais que j'étais allé loin dans l'Odyssée des DPS Extrême, mais en tout cas, ça fait plaisir de savoir que j'ai pas perdu mes compétences pour autant. Moi, je suis content qu'on m'ait donné une seconde chance. Moi, franchement, je voulais pas me vanter du tout, mais je pensais que je resterais dans quelques épisodes, quoi que ce soit. Mais là, dans les 6 spécialistes, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Moi, je suis pas étonné parce que je suis trop fort. En appelant les avocats. Moi, je suis très content aussi, parce que j'ai été aussi dans l'île de Deluxe, j'ai été allé aussi loin, et franchement, une dernière fois avec Chuck, franchement, ça m'a fait plaisir! En tout cas, pour célébrer les 6 finalistes, je vais proposer l'épreuve de parcours. C'est quoi cette fois? La voici! Le fameux escalade rocailleux à la façon corde des défis extrêmes. Oh mon dieu! Alors, cette fois-ci, c'est bon, l'ultime épreuve... Non, c'est pas du tout l'ultime épreuve! Enfin, l'ultime épreuve avec les difficultés, c'est enfin arrivé. Mais on est déjà... Oh, et puis merde! C'est quoi le principe de l'épreuve? L'épreuve, je vous explique. Il suffit que vous preniez l'ascenseur là, qui va vous mener dans le parcours, tout en parcourant, et en escaladant, montagne par montagne. Et que vous devez arriver à la ligne d'arrivée qui se trouve là-bas dans les remparts. Le premier arrivé aura le droit à récompense de choisir n'importe quelle récompense qui le fera plaisir. Pour les restes candidats, ils auront l'immunité pour le prochain épreuve et pour le prochain épisode. Mais par contre, le dernier, il risque de se faire éliminer. Sachant aussi que le fait que vous n'êtes plus que 6 finalistes et que donc... Il faudra que vous accrochiez un peu plus. Et par son conséquent, Loulou, vu que tu as reçu beaucoup plus de votes bonus, même si je vous déteste parce qu'elle ne mérite absolument pas, pourquoi vous votez pour elle, tu auras droit à partir en première. Et que les autres candidats vont devoir attendre pendant 1 minute. Oh, si encore Panthéon ne m'aurait pas donné une pénalité, j'aurais pu gagner, hein. Tu penses qu'à gagner, crétin de vieux schnock? C'est celui qui dit qu'il y est. Je suis pas un schnock, crétin. Ou devrais-je... Je devrais plutôt t'appeler grand schnock. Oh, maintenant tu oses traduire mes mots. T'avais qu'à pas traiter de panthère bleu. Panthère bleu. Grand schnock. Bon, ça suffit les gamineries d'insultes. Bon, enfin bref, Loulou, fais en sorte de gagner l'épreuve. Et attention, j'ai oublié de vous le dire. Fais en sorte aussi de ne pas toucher les parois brusquement parce que vous risquez de faire tomber le rocher. Et que ce rocher risque de vous tomber là-dedans. Donc fais bien attention. Et que surtout que le fait qu'il y en a même beaucoup plus de rochers. Mais il y en a qu'un seul. On s'en fiche. Va. Tant que chrono. Ah. Oh, je suis pas bon d'être le premier place. Mais il faudrait que je me donne au maximum. Oh, t'inquiète pas, Yoshi. Je ferai tout pour te faire gagner. Ah, sauf que ce Panthéon ne mérite pas gagner. La femme, gros schnock, Panthère bleu. Alors, en espérant que Loulou va gagner. Tu déconnes ou quoi? Bon, enfin bref, je vais rejoindre au sommet. Faudrait quand même se donner au maximum. Ok, gros schtroumpf, Chop et moi, on va se donner un maximum pour gagner l'épreuve. Ouais, pour surtout rester soudé à l'Alliance. Ouais, exactement. Oh, il ne reste plus qu'à l'escalader. Mais je peux le faire. Vas-y, Loulou, tu peux le faire. Ouais, vas-y. Pouh. Tu mérites de perdre. Peste. Oh, tais-toi! Bon, enfin bref, Loulou, tu es la première candidate! Enfin, même la première fille depuis l'émission qui a gagné l'épreuve! Bravo! Même si tu ne mérites pas! Bon, enfin bref, tu vas devoir attendre les autres pour finir l'épreuve. Ah oui, en fait, les 1 minute sont écoulées, donc vous autres, vous pouvez commencer! Ah! Mais quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas pourquoi, mais... Oh, je dois pas être en dernier. Non. Oh, grâce à l'entraînement du Simba, je suis un peu plus rapide, donc... Je vais réussir l'épreuve. Dégage. Oh,
Tu ne mérites pas à ce que tu sois en tête. Hé, Panthère Rose, arrête de bloquer la route. Hein? J'ai le droit de bloquer la route quand je veux. Et tapsh oh. Et tapsh oh. C'est moi qui sera troisième. Oh, aïe. Non. On va pas laisser tomber. Allez, continuons. Oh, j'ai mal partout. Oh, l'enfoiré de première classe. Oh, je suis enfin deuxième. Attends une minute, mais il est où Chop et les autres? Hein? Je vais pouvoir gagner. Oh, oh. Dépêche-toi, moustillon. Non. Qu'est-ce que tu fais, gros schtroumpf? Loulou, je sais que je t'ai fait pardonner et que je t'ai donné les cookies. Mais j'ai quand même compte à régler avec Panthère Rose. Il t'a insulté et je refuse que Panthère Rose aille en finale. Seul moi, Chop, Moustillon et Gragioshi iront plus loin. Je vais tout faire pour que Panthère Rose soit pas en finale. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Panthère Rose, je te laisserai pas passer. Tu crois ça? Je vais te balancer dedans. Je vais te faire sortir du jeu d'ailleurs. Ah, hey, lâche-moi que... Jamais. Chop est deuxième. Moustillon troisième. Et voyons voir qui est le quatrième. Ah, Red Yoshi. Oh, j'ai pas fait de meilleure performance. Faudrait que je le rattrape pour le prochain épisode. C'est ce que je vois. Crache-toi, espèce d'abruti. Tu m'as fait perdre. De toute façon, c'était pour une bonne cause. Seules les personnes bien méritent d'aller en finale. Toi, tu mérites rien du tout. Hé, hey, vous autres, apparemment, vous êtes les derniers. Et si vous voulez pas être dernier des 6 finalistes, fais en sorte que votre performance soit pas comme du prune. Alors, c'est ce que tu crois? Alors, hé, hey, mais arrête de tricher. Vas-y, gros trou. Vas-y. Allez, montre-lui c'est qui le patron. Et surtout, venge-toi de ce crétin de rose. Oh, non, il est trop rapide. Panthère Rose, je sens que tu vas être humilié, voire même tu vas taper la honte. Non, c'est pas juste. C'est moi qui devrais gagner, pas ce vieux chenard. Panthère Rose, écoute, tu peux pas gagner de cette façon, c'est horrible. Panthère Rose, si tu veux vraiment qu'on te respecte, aide-moi à sauver ce rocher. Non, pas envie. Il n'y a que moi qui respecte. Moi, je respecte pas les crétins qui se croient supérieurs. Tu veux faire croire que tu seras bon pour être éliminé. Oh, espèce de... Oh, je vais tout faire pour que je sois pas dernier. Je vais jurer. Faut pas que l'entraînement de grand Franca soit inutile. Je vais sauver ce rocher, que ça te plaise ou non. Allez. Je serai pas dernier. Et je veux pas décevoir la Panthère Franklin, ni même mon alliance, ni à Chop, ni à Mayona, ni à Moustillon. Non. Je vais tout faire pour gagner cette épreuve et lui faire un coup de pied dans les coudes de Panthère Rose. Maintenant, Panthère Rose, je vais te régler ton compte. Désolé, grand schtroumpf, mais... Hein? C'est Panthère Rose qui vient de remporter l'épreuve. À la loyale. Ça, c'est toi qui le dis. Non, mais t'es jalouse. Oh non, grand schtroumpf. C'est pas possible. Non, espèce d'enfoiré. Oh, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est le jeu. Et la raison d'être les grand schtroumpfs, tu t'es donné à fond. Tu as prouvé à tout le monde que tu es capable de faire mieux. On a le loin. Mais malheureusement, ton aventure s'arrête ici.
On se retrouve vers le camp. What the... Ah, aïe. Ah, je suis trop gagnant. Quand je trouve... Ah, c'est pas possible. Non, mais je te jure, quoi. Oh, quand je trouve... Non, pourquoi tu as fait ça? C'est vrai, c'est toi qui aurais pu gagner. J'aurais pu me servir pour sacrifier. Pourquoi tu as voulu faire ça? C'est vrai, ça. Écoutez, je voulais juste faire en sorte que vous allez loin. J'aurais espéré à ce que je sois pas dernier. J'ai voulu faire ça pour que Panthéra ne soit pas en finale. Je voulais juste vous aider, c'est tout. Quand je trouve... C'était pas la peine. Tu sais, on aurait pu en faire. On aurait pu s'y faire quand on éliminait. Ouais, exactement. Mais enfin, qu'importe. Au moins, vous vous êtes montré à la hauteur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même passé un bon moment avec vous. Y compris à Mayona. Chop, si jamais tu croises Mayona, tu pourrais dire que je suis parti de l'idéo et que j'ai perdu. Tu perds pas? Non, c'est juste que je suis déçu. Mais en tout cas, je suis sûr qu'en fond de vous, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Loulou, fais en sorte que ton rêve soit réalisé en gagnant les millions. Ryushi, sois pas trop un maniaque, mais fais ce que tu peux pour te respecter. Et Moustillon, je suis fier de toi pour tout ce que tu as fait. Et toi, Chup, prends soin bien de Bayona et surtout de tes amis. En tout cas... Mais quand je trouve, on va se revoir sur l'épisode 30. Ah oui, c'est vrai, mais je sais pas dans quelle date. Ouah, 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 de l'émotion. Ouah, ouah, ouah. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai gagné. On se retrouve vers le camp. Hein, gros naze. Lui, par contre, c'est le plus gros des connards. T'inquiète pas, on va tout faire pour se venger contre Panthérose. Faites votre mieux, en tout cas. Faites votre mieux. Loulou, tu es la première à gagner l'épreuve. Félicitations. Et donc, je te donne le choix entre pénalité ou aller dans la cabine de première classe, là où il y a la Xbox Series, ou la Nintendo Switch, la PS5, ou bien encore, sans oublier, des Pringles, des nourritures de Burger King. Je choisis celle celle de la cabine de première classe. Et ce n'est pas tout. Tu auras le droit d'accompagner à n'importe quel candidat. Mais tu peux en sacrifier une. Si c'est pas du tout un problème, je vais prendre Chum, Moustillon et Radioshi, mais pas Panthérose. Je t'emmerde, connasse! Mais de toute façon, j'aime rien. Enfin bref, revenons à notre sujet. Chum, tu es deuxième. Félicitations. Moustillon, tu es troisième. Et Radioshi, tu es quatrième. N'empêche, j'aurais pu faire mieux si Panthérose n'aurait pas foiré tout ça. Ouais. Mais de toute façon, t'es nul. T'es nul. Comment ça, je suis nul? Parce que... Et Panthérose, tu as récupéré la dernière place sans aider Grand Schtroumpf. Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, ce que j'en dis, c'est que je suis pas étonné. Panthérose, je suis le plus fort. Grand Schtroumpf, c'est le plus nul de tout. En tout cas, moi, ça m'étonne pas de moi. Moi, Panthérose, je suis invaincu. C'est ce que je vois. Et malheureusement, Grand Schtroumpf, désolé de dire ça, mais... Mais malheureusement, c'est pas moi qui a fait le coup bas. Tu es éliminé. Et donc, tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Tu vas devoir rejoindre l'île des héros. En espérant que tu n'aies pas pris mal. Je voulais juste revoir... Enfin, avant que je m'en aille, je voulais juste revoir Mayona. Désolé, mais les règles ne m'expliquent pas ça. Donc, désolé. Mais pour toi, tu t'en vas. À larguer les amarres. Sayonara, goodbye, orvidazen, au revoir. Et en espérant que tu auras une chance dans une autre émission. Bon bah, au revoir Chop, et surtout prends soin bien de Mayona. Au revoir Loulou, et encore une fois excuse-moi pour tout ce que j'ai fait. Au revoir Moustillon, t'es vraiment un beau Pokémon. Au revoir Yoshi, en espérant que tu vas t'en sortir malgré le fait que tu es un fan des shampoings. T'inquiète pas. Et quant à toi Panthérose, je te dis bonne souffrance. Oh bah, il me reste plus qu'à prendre la sortie. Au revoir. Au revoir Grand Schtroumpf. Au revoir, tu vas me manquer. Au revoir.
Au revoir, mon pote. Attends, j'ai quelque chose à dire. Quoi? Oh, gros trou! Tu malgré ton comportement, tu restes quand même un vieux schnock. Oh, tu vas me manquer ou pas? Tu es peut-être un candidat, mais au fond de moi, je sais que tu es un vieux schnock débile et qui pue. Ça, par contre, ça se fait pas. Merci, John. Au revoir. Toi, Panthéros, tu vas le regretter. Quoi? Je suis trop cool pour être éliminé. Enfin bref, on fera l'académie de première classe. Et sans toi. De toute façon, j'ai pas besoin de personne. Je suis déjà cool comme je suis. Je suis un loup solitaire. Quoi? Ah oui, j'oubliais. Donc, pour les listes de bonus, vu qu'il n'y a pas de pénalité, aucun d'entre eux, tout le monde est dans les listes de bonus. Votez pour un candidat qui vous pensez qu'il mérite de bonus pour la prochaine épreuve, et on se retrouve pour le prochain épisode du camp des défis extrêmes. J'ai pas le temps, faudrait que tu fasses quelque chose. Bon, ben voilà. Je n'ai plus qu'à annoncer la nouvelle à ma bande à Franklin. Fille, qu'est-ce que tu fais? Grand Schtroumpf! Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'espionner le camp des défis extrêmes. Mais attends, et les barrières, quoi que c'est d'autre? Non, t'en fais pas, c'est seulement pour l'Idéro. Moi, je viens pas de l'Idéro. Maintenant que tu le dis, c'est vrai? Je suis en train d'essayer de voir ce que Dr. Jones est en train de faire. Mais on a fouillé le bureau et... Ouais, non, c'est pas le bureau. Tout ce qu'il y a de plus important, tout ça, c'est dans le laboratoire. Le laboratoire secret? Et je sais où est-ce qu'il est. Il se trouve là-bas. Mais apparemment, seules les personnes qui sont pas de l'IDRO ont le droit d'y aller. Ah bon? Oui, exactement. Et moi, j'en fais pas partie. Mais je fais partie de l'IDRO. Mais ils n'ont pas encore mis en place l'alarme contre toi. C'est vrai, ça? Ouais, exactement. Donc, si tu pourrais m'aider, ça pourrait m'arranger. Exactement. Maintenant que je suis plus candidat, je peux faire ce que je veux. Je pourrais utiliser Psycho contre Dr. Joss. Faudrait juste qu'on sabote leur plan. Oh, c'est une bonne idée. Allons-y. Oh, mais c'est sincèrement l'endroit la plus pourri de toutes. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça sent comme un piège. C'est quoi? Apparemment, ça doit être le coffre-fort de Dr. Le coffre-fort? Comment t'as fait pour l'ouvrir? Je sais pas, mais en tout cas, Dr. Jones est trop bête pour nous mettre des alarmes. Ouais, de toute façon, il est bête surtout. Mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que... Vive Dr. Jones! Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi cette... Vive Dr. Jones! Vive Dr. Jones! Vive Dr. Jones! Vive Dr. Jones! Enfin! Mon plan est en marche! Attends une minute! Je comprends pas! Je croyais que Grand Schtroumpf est humilité, hein! Vu qu'il est beaucoup trop intelligent! C'est vrai, je te l'accorde! Mais sauf que le pouvoir que Panthéros a utilisé dans Pete vs. Jack, il était vraiment très impuissant! Et donc j'ai utilisé le dose de potion que tu as faite contre Grand Schtroumpf! Mais tu sais, les potions que tu les as cachées dans le laboratoire et que personne ne peut le savoir! Et donc j'ai utilisé le puissance maximale! Que même Grand Schtroumpf ne peut pas résister! Grand Schtroumpf, tu es à moi. Oui, Dr. Jones. Et ne t'en fais pas, mon gars. Je ferai tout pour que les amendes ne soient pas mises en place. Je ferai tout pour donner les coups de pied dans les couilles ceux qui osent donner des amendes contre toi. Tu es mon idole. Tu es mon préféré. Tu es même le plus beau, le plus fort. Et j'aimerais te demander un service. Tout ce que tu voudras. Faudrait que tu signes le contrat de Mario Maker 2. Il faut, c'est très simple.
Tu signes le contrat et Mario Maker 2 sera à moi. Oh oui, avec plaisir, j'ai même le stylo. Je vais signer là? Ouais, exactement. Ok, d'accord. Oui! Signé Krogstrouf, alors? Oui! Mario Maker 2 est à moi! Oui! Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais débannir Bad Donald, mon frère! C'est ça la vérité, c'est aussi la véritable raison pourquoi tu veux avoir Mario Maker 2. Quand je trouve à oser bannir Bad Donald, mon frère! Et donc j'ai décidé de débannir Bad Donald! Mais entre termes, je vais bannir la bande à Frankla et la bande Mickey de Mario Maker 2. Ils pourront plus jamais faire des niveaux. Et je bannis aussi la bande de Jump. Ensuite, l'épisode 30 de Fit vs Jack sera génial. Je vais débannir Bad Donald afin qu'il puisse faire des niveaux totalement cruels pour Finn et pour Jake. Ce sera la meilleure convention du monde. J'imagine ça. Lumière, caméra, action. The Dodger est en place. Et enfin, je serai beaucoup plus riche et l'île des héros m'appartiendra. Mais d'abord, je ferai en sorte de débarrasser les candidats généreux pour que Panthéros gagne, pour que je puisse être épargné. Oh non! Faut vite que je préviens Mayona! Qui a dit ça? Moi! Vive The Dodgers! Ah, d'accord.